Donc, en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie est calculé par Dieu pour nous faire accéder à des compréhensions, des conceptions, des gâchottes, etc. Et rien n'est par hasard. C'est-à-dire? Et c'est la raison pour laquelle que si quelqu'un a prié et n'a pas été exaucé, ben qu'il reprie. Parce que si Dieu lui a envoyé un manque, c'est pour le motiver à prier. Et en priant, il progresse. Et donc, s'il n'a pas été exaucé, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé encore à l'objectif auquel Dieu avait décidé qu'il arrive. C'est le dernier coup qu'on avait fait en zoom. Le manque n'est pas nécessaire. Hein? Le manque est Le veut manque est un catalysateur pour te faire prier. dire. C'est-à-dire que toi, Mais tu comme le pries vent. pour écarter le manque, mais en fait, Dieu crée le manque pour que tu Voilà. pries et que tu arrives au Tant niveau qu'il avait. qu'on n'a pas été exaucé, Ça veut dire que tu n'es pas arrivé où le tu manque n'est attends pas comblé, l'objectif. c'est-à-dire que le manque est toujours nécessaire pour atteindre ce Pour te niveau. susciter à prier, pour arriver Mais à. si, donc, en fait, quand je vois par exemple dans mon quotidien des manques qui disparaissent et d'autres manques qui apparaissent, c'est comme avoir changé d'état. Parce qu'il avait expliqué que Dieu, qui connaît parfaitement, disons, la cartographie de ton âme, il sait exactement quel genre d'événements sont susceptibles d'appeler à quel genre de conception. Donc, cette conception, tu l'as atteinte, mais il te manque autre chose dans la vie. Il y a un autre manque qui t'amène à ça. C'est ça? Donc maintenant, on a la piste Gimel. Tano Rabbanan, Maase, Metalmid Echad, Shiara Difna Teva, Difne Rabbi Eliezer. Yoter Midai. Donc, c'est l'histoire d'un chazan qui priait trop longuement. Alors, il y en a qui ronchonnent. Amolot Talmidav, Kama Arkanouze. Qu'est-ce qu'il est lent? Et qu'est-ce qu'il est long? Alors il leur a répondu, Amar lahem klou mari yoter Moshe Rabbeinu dirti be et arba'im yom et arba'im laila. Il n'est pas plus long que Moshe Rabbeinu, qui lui a prié pendant 40 ans, 40 jours, 40 nuits. Ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote. Shuv ma'aseh b'talmid echad she'ara lifnei teva b'fnei Rabbi Eliezer v'yam mekatzer yoter miditay. Lui, celui-là a prié trop long, trop rapidement. Il y a encore une fois qui râle. Amour le Talmidav, Kama Katsra nous. Qu'est-ce qu'il est raccourcissant celui-là? Amar lahem klou mekatzer yoter mi Moshe Rabbeinu dirtivei elna refrenala. Il n'est pas plus court que Moshe qui a fait une prière de cinq Flash. mots. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est comme si qu'il est toujours là à protéger ses oies et il invente des arguments contradictoires pour ne pas qu'on dise du mal sur ses élèves. Donc ça demande une explication profonde. Alors regardez. Er hatefila, mitgale b'shnaim. Aechad, l'arim et asagato, utrunato shelo, shinui tnuot, shenimshach badraga. וכן הייתה האריכות של משה רבנו עליו השלום 40 יום מכוונים כנגד ימי יצירת הוולד כנתינת צורה ולב חדש למי שהתפלל עליהם. נכנס לרולת סקרנבי פריסי אדמה לרודו לתפילה עדו זה ספי, זאת אומרת לא פרמר הספי זה דלווה את הקונספציון דלווה את התחיל קרקטר דלווה את הפרסונליטה ודתומם ou de celui pour qui tu pries. Et ceci, évidemment, nécessite beaucoup de temps, comme toute transformation. Si une transformation corporelle, ça prend du temps, tu vois combien de temps ça t'a mis à grandir, combien de temps ça met à créer un fœtus qui devient un petit bébé, 40 jours, etc. À plus forte raison, une transformation psychique, mentale, idéologique, religieuse, etc., qui prennent beaucoup plus de temps. Donc ça nécessite une prière longue, qui a pour but de créer une transformation dans ta personnalité. Je comprends dans ma personnalité, mais là Ah, aussi ça. dans la celle d'autrui. C'est Sod bizarre. ardout anéchant. Toute la C'est Torah est fondée bizarre. sur ça. Dinarevout. Oui, mais à tel point Kol que. achor mi shechazav tshuva, mochanim lo kol olam kulo. Par rapport au olam kulo, c'est moi qui fais tshuva. Pourquoi ils sont pardonnés? Pour bien Okay. Ah ben, que je puisse agir Sod ardout de. anéchamot, ça veut dire qu'on est un seul organisme. Donc, il y a une possibilité d'avoir une influence sur les autres.
de les transformer. Shafilu matzav shel mafter triat hametim beyadav. Il y a des gens qui ont la clé de triat hametim. Ça veut dire ils sont capables d'avoir un effet sur toi qui t'amène à faire tshuva. Évidemment, tu as toujours ton libre arbitre. Ils peuvent susciter très fort en toi la volonté de faire tshuva. Des fois, sans rien dire. Par leur seule rencontre, une rencontre entre deux âmes. Soit dans doute, un échamot. Et toute la tfila est fondée sur ça. Hein? Ça ne peut pas contredire, encore une fois, il y a un système, on va dire, harmonieux qui permet aussi que, malgré que moi, je peux, on va dire, avoir une influence sur l'autre et ouvrir de certaines portes d'évolution, lui est obligé aussi d'être méritant. Parfois oui, parfois non. Qu'il est Tzore Rabim, Tzore Chador. Oui, mais au niveau, c'est-à-dire, il y a au niveau collectif, il y a au niveau individuel. Maintenant, au niveau individuel, c'est tout le principe, comme l'explique le Ramchal à plusieurs endroits, c'est le principe de la création du monde, c'est-à-dire de Sahar Beonesh, qui ne se contredit jamais. C'est-à-dire que même la Nagata Yehud ne contredit pas le principe de Sahar Beonesh. Descartes, il explique pourquoi justement la Géoula ne peut pas être pitomite, c'est-à-dire on ne peut pas passer de manière pitomite à un monde de Sahar Veonesh, on arrête tout et hop, Géoula définitive et tout va bien. Pourquoi? Parce que ça ressemblerait que Dieu regrette cette manière de faire, mais tout va en évoluant et toujours en adéquation. C'est-à-dire que si par exemple, on va dire moi je veux avoir une influence sur quelqu'un et on va dire que je fais ma part. Lui, s'il n'est pas méritant, il ne peut pas recevoir un bien qui n'est pas mérité, car un bien qui n'est pas mérité n'est pas un bien. Méritant, ça veut dire le faire changer, en fait. Le faire changer, mais si L'amener à vouloir. L'amener à vouloir. Si ou par des paroles. Non, mais s'il veut déjà, c'est suffisant, même je suis d'accord de dire que le mérite, il peut être pas comme je le perçois. Exactement, 100%. Mais on est obligé de dire qu'il a une part. Le machin a changé. T'as mis de palais à la lame. Les émoreurs et cela, là, ils ouvrent tchouva, mais vous avez des fois. On a une influence collective ou sélective? Bien, bien. D'accord, non. Ça va dans tous les sens. Bien sûr. De la même manière que un des membres de ton corps a une influence sur la totalité du corps, des fois, il y a des influences entre certains membres. C'est pas par hasard que Dieu nous a donné un corps. C'est pour qu'en observant notre corps, on comprenne ce qui se passe dans le monde intérieur. Et si c'est sélectif qui choisit? Que j'influence sur lui, pas sur lui. Attends. Pas masculin. Attends. Tamit Kaven, on est pas allé. Il va en parler dans la prochaine piste. Tov. Donc ça, on a compris. Donc, un des aspects de la tfila, on a dit, c'est d'effectuer une transformation ou sur ma propre personnalité, ou sur une autre. Et donc, évidemment que ça prend du temps. Toute transformation prend du temps. Donc on comprend pourquoi il a légitimisé le fait que ce chazan priait longuement, qui parfois, la tfila, nécessite un effort long et intensif pour arriver à cette transformation. Donc il faut comprendre pourquoi des fois, la tfila suffit d'être dit en flash, comme ça dit. Alors regardez, Véachéni. Pourquoi c'est long, Rav? Parce qu'il dit que c'est cette transformation. Quand il dit Kerer, Shinou, Tnu, Od, Jenim, Char, Beadraga, c'est-à-dire que. Pour dire que tout est progressif, voilà, c'est bon. Exactement. Rien ne peut être, c'est-à-dire, rien ne peut être instantané. Chaque changement nécessite. Si vous rappelez l'histoire que j'avais dit la fois précédente, un bon homme qui est une machine à sous, qui s'en fout de tout, etc. etc. Et Dieu fait en sorte que son fils, il a fait un accident de voiture, il arrive à l'hôpital, il commence à prier. Après, il prie pour tous les malades, il prie pour tous les juifs, il prie pour toutes les souffrances. Je vois que ce bonhomme, qui était très petit dans sa conception, très égoïste, petit à petit s'est élargi à un altruisme, à l'universalisme, etc. C'est pas un clin d'œil. Des fois, ça prend énormément de souffrance, de problèmes, pour progresser. De la même manière, Dieu agit aussi bien sur l'individu que sur la nation, que sur l'univers entier. Les crises, les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société israélienne, avec nos ennemis qui nous cassent les pieds, ne sont pas par hasard, ce n'est pas parce que Dieu est sadiste. Chaque événement qui nous arrive forge la conscience nationale à une progression qui nous amène finalement au but ultime à être réouïm ou gioula. De même, l'humanité entière. Sans aucun doute que toute cette crise du coronavirus, elle va contribuer à un amélioration de l'humanité entière vers la morale. Une prise de conscience de l'essentiel de la vie.
famille, etc. Pas besoin de tous les artifices dans la vie. On peut se contenter de beurre et malgré tout être heureux. Des mariages à 10 personnes au lieu de 200 000 personnes. Tous ces événements que l'humanité entière a subis, sans aucun doute, les a amenés à une perception des choses qui est totalement autre que ce qu'elle était avant cet événement. Rien n'est par hasard dans ce monde. À toute échelle, individuelle, familiale, nationale, universelle. C'est clair ? Mais ça prend du temps. Si tu vois, pour corriger un mouvement de tes bras, des fois, combien de fois tu dois faire de la rééducation pour retrouver toutes tes activités, etc. Donc pour les activités intérieures, les perceptions, les tendances vers l'idéalisme, ça prend énormément de temps. Donc il faut prier longtemps. Maintenant, Véhacheni, Chachre Shekvar Naasa Kola Tsarich Letromomouti Bepnimi Uta Nefesh, qui a déjà fait tout ce qu'il fallait. N'oublions pas que la tfila, c'est Shfichat Nefesh. C'est de déverser ton âme. Donc Dieu attendait à ce que, disons, tu sois rempli de 5 kilos, 5 litres d'idéalisme. Une fois que c'est rempli, il n'y a plus qu'à déverser. Ça prend une seconde. Remplir un seau goutte à goutte, ça peut prendre, je ne sais pas, 10 heures. Mais une fois qu'il est plein jusqu'en haut et qu'il ne te reste que l'ishpor et d'un effet, en un clin d'œil, tu le renverses. Azksharav, une fois il a légitimisé ce talmide, une fois et l'autre. Parce qu'il savait que ce Talmid, ça lui nécessitait énormément de temps pour arriver à cette révolution interne. Donc c'est légitime. Alors que celui-là qui est fait en un clin d'œil, parce qu'il savait qu'il était déjà là-bas, il ne restait plus qu'à déverser ce qu'il avait dans le ventre. Voilà. Il est. Ve'acheni, Shachre Shekvar Na'asa Kol Atzarich Letromomut Yibimni Uta Nefesh. Yishamesh Adibur Shal Fila, Le'otzi La Poel Et Na'asa Benefesh Nima. Il ne reste qu'à exprimer ce que tu as déjà dans le ventre. Ve'lezen, Tzarich Rekutlal. Pas besoin d'allonger, les gens ils pensent que tu es payé à l'heure. Et puis plus tu pries longtemps, plus tu vas être récompensé par Kadosh Baruch Hu. Donc, un inyan de traîner à dire les mots très longuement, etc. Si tu es capable de l'itragesh, de t'enthousiasmer, de penser sérieusement, d'être concentré sur ce que tu veux, en le faisant, ouais, ça sent trop propre les vitres. C'est donc, une fois, je me suis cassé le nez comme ça dans un mariage. Pas mal, je vais sortir ensemble comme ça. J'ai couru, je rentrais dans la vitre. Donc, si tu es capable de faire ça rapidement, il y en a qui ont dit, Dichruta, ou Tfilata Mera, t'es Kabel. Tfilata Mera, t'es Kabel. Pas besoin de traîner. Pas besoin de faire de frime, dire, voilà, j'ai pris longtemps, reste 10 minutes. Si tu es capable. Très souvent, des très, très, très grands d'Israël, prier très rapidement. Ça étonnait le public. Qui aime Kolkar Mele, Behera, Bakadosh Baruchou, que les mots s'enchaînent les uns les autres et ils s'enthousiasment, ils se concentrent très rapidement. Et il y en a d'autres, ça leur demande plus d'efforts. Ou bien ils ont plus de défis à surmonter. Ici, on parle de quelqu'un qui est pris pour un drap. C'est l'air Thibault. C'est pas. Madame Chanet. La main. Vraiment, si je suis bolé à ta mini, vous pas l'aile. Voilà, le coup de fédéral n'est pas toi, je suis sûr. C'est bon. Il faut la là. Je suis sûr. Il faut le biglazer et clôt le nous. Anilota, c'est Rod Bagmara. Peut-être parce qu'il a trop traîné dans ce filat la hache et le tibour attendait, ou bien il a terminé trop vite, il a commencé à faire sa tâche. C'est l'oeda. Avazalom chenet, benkar ou benkar. Ça dépend où lui il s'en trouve. Ou à Khazan. C'est si quelqu'un prie vite, parce qu'il a bâclé, ou parce qu'il est bâclé. Non, on ne parle pas qu'il bâcle. C'est ce qu'il entend dire. L'homme d'Abrimalze, parce qu'il avait bâclé, le rabbin lui a foutu deux paires de claques. Dubar, un tamid khamim va tzadikim. Il a prié comme il fallait. Mais un, il a prié longuement. Et l'autre, de manière courte. Et on voit que le rabbin, il légitime les deux cas. Mais ça dépend où il en est. Si, effectivement, ça lui demande plus d'efforts pour gravir les échelons, ben, c'est tout à fait légitime. Mais s'il a déjà gravi, à quoi bon traîner la patte? Il ne reste plus qu'à déverser ce qu'il a dans le ventre. C'est ma chomère. En zahir echouklal, ki bidibou echad yotzi la poa la mon regashot. Alken ba akitsur betfila bemkom atzorer shel hashimush betchuna zu. Chez l'autre, ça, la poêle est à Mouchan Gvar. Donc, parfois, on peut dire ça très rapidement, parce que tu as déjà. Il faut comprendre, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a une idée vague d'un sujet. On lui dit, tu peux écrire, ça lui prend 3 heures à écrire. Mais si le sujet est très clair dans sa tête, 3 minutes, il termine. Tout est clair. Donc, ça va vite. Donc, de la même manière que de manière du. Dans le niveau intellectuel, c'est pareil, mais aussi dans le niveau émotionnel. Si tu n'as pas réussi encore à intensifier ton enthousiasme envers ce thème, alors tu travailles sur toi.
Ça vous a pris du temps, c'est légitime. Alken, Yeshpanim, les Eleshtanokim, donc les deux manières de prier sont légitimes. Quel est le principe, le critère? Ubilvad, Shechaven, Libo, Shaman. Faire ça de manière pure, désintéressée, de Shem Shaman. Les Fiat Runa et Fiarit, ou Fiat Sorach Hachara, selon les possibilités, selon les besoins du temps. Top. Deuxième histoire. Amar Biakov, Amar Afrizda. Kola Mevakesh Rahimi Vachavero. En Tsarich Laskir Shmo. Celui qui demande miséricorde pour son copain, son ami, pas besoin de mentionner son nom. Je sais que dans toutes les synagogues, on saoule les rabbins avec une liste interminable de malades. Ce n'est pas nécessaire. Je me rappelle quand je priais sur Rav Shirky il y a 10 ans de ça, je lui ai donné une idée ingénieuse. J'ai dit au lieu de prendre la tête à écouter une liste interminable, tu fais Michel Berach et que chacun dise de l'homo le nom de sa place. Et tu gagnes un quart d'heure pendant la tefila comme ça. Mais non. Selon la Gemara, même pas besoin de le dire. Ça dépend si la personne est présente ou pas. Si elle est présente, le sagui. Mais celui qui fait Michel Berach, il n'est pas mitkaven pour qui il fait la refoua. Il fait le bracha. Un satan, mitkaven. Il a pas plus de magie noire dans sa bouche que toi. T'as hein. Éroulé le palen. Ça raconte, moi, c'est leur tibour. C'est un porte-parole. Ouais, et c'est pas toujours le plus grand sadique de la synagogue. C'est le porte-parole. C'est pour la mode de répondre amen. Un satan, t'es chavène. Lui, il prie de toute façon pour la guérison de tous les malades du peuple d'Israël. Et parmi eux, Ploni Valmoni, tel et un tel. Donc peu importe que lui le dise, ou toi tu le dises, et on va voir ici même que personne ne le dise. L'essentiel, ce n'est pas le nom du malade. On va comprendre maintenant comment ça marche. Regardez. Rachot la Madalet, Aleph, Kargatouf. Là, il explique. Regardez. Peulat filat kol adam al atzmo. C'est ce qu'on avait vu dans la Piscabet. Ça veut dire l'effectivité de la prière, lorsque quelqu'un prie pour lui-même, est évaluée selon ce que la prière va agir sur lui pour son amélioration morale. Ça veut dire, comme on l'a dit précédemment, Dieu te crée un manque, ce manque te dérange, tu commences à prier. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'écarter le manque. Mais ce que Dieu lui intéresse, c'est de faire progresser moralement. Donc, au moment où tu es arrivé à cette progression morale, à cet objectif que Dieu t'avait fixé, plus besoin de ce manque, et c'est comme ça qu'il est comblé. C'est le mécanisme, on va dire, entre guillemets, de la tefila. Kacha yochan, yoter le kabbalat mevukasho. C'est-à-dire, plus tu progresses moralement, plus tu te rapproches de l'objectif, ainsi tu seras exaucé. Achav, Véalpi, c'est pour répondre à ce que tu avais posé tout à l'heure. Alpi a chokma eliona, mechuvan ou tamid, echracha mevuka, shemoro litfila, lotie la poil, auto ergesh et mitpalet, sarichlo la tavata shlamato amitit. Ça veut dire, la sagesse divine suprême sait faire coïncider exactement l'objectif auquel tu dois arriver avec le manque qui a toi de ceci de prier. C'est-à-dire, c'est une certaine personne, s'il lui arrive le manque X, ça lui fait ni chaud ni froid. Il ne va même pas prier avec ça. Ça ne le dérange pas. Dans sa vie, ce n'est pas une valeur importante, etc. Ou à ce moment, à cette situation de sa vie, ce n'est pas tellement important à ses yeux. Et chez lui, ça va lui faire monter le volume très très haut. Il va quand même trouver Bidouk à l'aise et de Nenagen, sur quel air jouer. Et il sait que ce manque t'amènera à progresser dans le domaine X. Un autre manque, agace, je dis toujours le manque, c'est pas obligé que ce soit un manque. Au niveau de la prière, c'est la plupart du temps, c'est des manques, c'est ça qui t'amène à prier. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est aussi vrai dans toutes les secondes de notre vie, à tous les événements que nous vivons. Chaque situation que tu vis, elle grave dans ta conscience une nouvelle approche des choses, une nouvelle appréhension des choses, une nouvelle aspiration dans la vie. Donc des fois, c'est des manques, des fois au contraire. C'est des joies extraordinaires. Des événements enthousiasmants qui ont créé chez toi une nouvelle ouverture, une nouvelle optique de la vie. Et tout est calculé par Dieu à chaque seconde. C'est ça? Donc c'est ça, quoi, alors c'est quoi ce processus? Parce que ça peut arriver justement que dans la vie, on soit amené à recevoir quelque chose sans forcément l'avoir demandé.
et par un élan de bonté, alors on va prier pour remercier Akadosh Baruch Hu. Par exemple. Mais cette fille-là, elle ne vient pas mais premièrement. Même si tu ne pries pas. C'est non, ce que je suis en train de dire. L'histoire de la prière, ça rentre dans la globalité de la Gata Shem. Tout ce qui t'arrive, Benyan Azman, Shlosh Lacha Lanetzach. C'est-à-dire, si on veut conclure de manière la plus systématique, tous les événements qu'on vit dans ce monde-ci n'ont presque aucune importance, si ce n'est leur influence sur l'éternité. Sur l'éternité, c'est-à-dire dans ta vie éternelle. Parce que ton corps va disparaître, va être dévoré par des vers. Mais ton entité spirituelle restera, elle, pour l'éternité. Reste à savoir qu'est-ce qu'elle sera. X, Y, Z. En fonction de quoi? En fonction de ce que tu as appris. Tes connaissances. Donc tu peux apprendre en lisant un texte. Tu peux apprendre en vivant une situation. Quand je dis apprendre, c'est pas seulement au niveau intellectuel. Donc tes aspirations. Ton envie de Dieu. Ton envie de la morale. Ton envie de l'idéalisme. Et il se peut que parfois, d'après un événement grandiose, t'amène à vouloir ressembler. Par exemple, je sais pas, tu es présent dans un événement dans lequel il y a un acte de générosité extraordinaire de la part de quelqu'un. Tu vois ça, tu as envie d'être comme lui. Rino, ça crana. La raison pour laquelle Chachamim nous raconte tout. Si pour être tzadikim, à quoi ça sert? Parce que ça suscite en toi, très souvent, de vouloir le ressembler. Pourquoi Dieu, pourquoi la Torah nous rend compte la grandeur de Dieu? Nagdishach benaharitzach. Kedeshetaharitz. Pour que tu admires. Parce que tu as tendance à vouloir être ce que tu admires. Ce qui est très important à savoir aussi, dans l'âge de l'adolescence, les enfants n'ont presque aucune, ne subissent presque aucune influence intellectuelle. Leur influence au niveau du comportement est essentiellement au niveau de ce qu'ils admirent. C'est-à-dire, s'il y a une personnalité, un profil qu'ils admirent, ils seront prêts à se sacrifier, à s'efforcer de toutes leurs forces pour devenir comme eux. Donc, si tu veux avoir une influence sur un jeune, il faut lui mettre en contact avec quelqu'un que lui apprécie. Et on va savoir, parce que toi, à tes yeux, ce gosse, il est extraordinaire. Et pour lui, c'est un chnoun. Intraduisible. Très gentil garçon, et bien éduqué. Chnoun. Donc, il n'a aucune influence sur lui. Et là, je ne sais pas pourquoi... Il parle d'une certaine manière, je ne sais pas, il a une banane, des trucs comme ça. Ils sont comme ça en admiration devant lui. Et si ce gosse qui est admiré, il a des bonnes midotes, ils auront tous des bonnes midotes. Si ce gosse qui est admiré, ou Makpid, Kalak et Hamoura, ils seront tous comme lui. C'est le rôle du Madrir. Et c'est la Torah qui nous enseigne. Nagdishar Venaharitzar. Il ne suffit pas de comprendre la vérité, encore faut-il admirer la vérité, parce que dans ta vie, il y a aussi du Regesh. Et ce dont tu es enthousiasmé, ça t'amène à vouloir y ressembler. C'est clair? Donc, on reprend. En fait, c'est à mon créateur que je devrais. Hein? C'est pour ça qu'on doit connaître Dieu pour le ressembler. Ouais. Mais il ne suffit pas de connaître froidement, intellectuellement. Il faut admirer Dieu. Il faut admirer les personnalités qui sont décrites dans la Bible. Et si certaines écoles à pensée te proposent une figure banale des personnalités de la Bible, eh bien, la Bible a perdu de son effet. Très souvent, ils disent ben, c'est trop haut pour un jeune ce qui est décrit dans la Bible. On va la mettre à la portée de sa main. Donc, au lieu de faire de David Ameller un ange, on va le rendre un jeune dans l'époque de la puberté qui a les mêmes problèmes, les mêmes complexes sexuels, etc., pour que le jeune puisse y adhérer. Mais à quoi ça sert? C'est plus David Ameller. Ça n'a plus aucun effet bonificateur sur lui. Donc ça perd du temps. C'est ce qui s'appelle Tanakh Begova Enayim. La Bible au niveau des yeux. En fait, c'est au niveau des chaussettes. Begova Garbaim. Au contraire. Mais je ne pense même pas que ça a fonctionné comme ça. Non, c'est type chose. C'est un type chose. Kavanatova. Oui, Kavanatova. Mais parce qu'il parle, ça va, c'était des hommes. Hein. Non, tu ne peux pas dire ça parce que malheureusement, ceux qui se tiennent à la tête. Ceux qui se tiennent à la tête, c'est trop souvent des Talmidei Chachamim. Donc quoi, qu'ils connaissent la vraie grandeur des personnes. Ouais, mais on va montrer un certain aspect plus petit. Donc c'est une vraie stratégie, mais elle est idiote, une stratégie. Elle est mensongère, surtout. D'accord.
Nagit Khelak Menemet. Oui, parce qu'il dit c'est inaccessible. C'est donc si c'est inaccessible, ils ne pourront pas s'y agripper. C'est ce qu'ils prétendent. Mais c'est pas une partie de la mémoire qui dévoile que c'était avant quelqu'un qui avait un problème de mémoire. Bon avis, rationnel. Ils disent s'il est si grand et si géant, il est inaccessible. Donc ils n'iront pas en prise. Donc ça n'aura plus d'influence sur lui. Donc, Nori de Taraf. Mais ça ne sert à rien. C'est ce qu'on veut, c'est qu'il s'élève et pas que faire descendre David Amalek. Tu dois ressembler à Dieu et pas faire ressembler Dieu à l'homme. Dans la mythologie grecque, eh ben l'homme, Dieu devient comme l'homme. Il y a toutes sortes d'intrigues romantiques et sexuelles, avec toutes sortes de femmes et de déesses, etc. Ils se chamaillent les uns les autres. Ils ont fait une transe, Akrana, de l'homme vers Dieu. Ils ont tout d'abord pour que la pays chatana. Au contraire. Kol omer David chata et non la toé. Kol omer Shlomo chata et non la toé. C'est un... C'est, non, c'est hein? Normal de penser comme ça, c'est pour ça que la Gemara vient pour nous contredire. Que on peut penser comme cette façon chitrique. C'est une erreur. C'est normal. C'est après, dans ça, une première lecture, a priori, le Tanakh décrit ces gens-là comme des fauteurs. C'est dans d'autres sphères que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on doit chez Balbé, à Nakholo Karim. Donc de même envers Ishi Tanakh, à la Khat Kamavama, envers Kadosh Baruch Hu. Donc si tu penses que Dieu il a un corps, ou bien tu penses que Dieu a des traits de caractère humain, qu'il s'énerve, et des fois on peut le flatter comme ça va le calmer, après on va calmer son courroux. Sachez qu'il y a pas mal de religieux qui pensent comme ça. Moi j'ai fait une faute, je vais mettre la zaka, et on s'entend après. On s'entend à l'amiable. Ou l'on kamal shahad. Ou l'homme rachem. Makatou rachman. Ou l'homme rachem. Ou l'homme rachem kefishta choshev. Qu'il affaiblit par un acte qui suscite en lui une certaine faiblesse. Il n'a pas le choix, il voudrait bien, mais il ne peut pas. Il a craqué devant cet événement. Il avait face. Et ben, sachez que la quasi-totalité des prieurs pensent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas utilisé la maléolatria. Ils pensent vraiment comme ça. On va pleurer très fort. D'ailleurs, on envoie par WhatsApp, comme ça que tout le monde prie. On le bombarde de prières, il va craquer. C'est au kilo, tu vois. Plus tu envoies des balles, finalement, il tombe. C'est vrai qu'il était très énervé. Tu lâchais des bonbons, des gaufrettes, tu lâchais des bijoux, etc. Et ta femme, elle se calme, elle, oups, tu retrouves ton shalom bayit. Ouais. C'est bien peut-être pour les femmes idiotes, pas pour les femmes normales. Et comme chacun l'a produit la Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on fait à Kippour aussi. Kippour. C'est ce qu'on croit. Non, Kippour. On dit, c'est exactement, moi, c'est exactement ce que je suis en train de détruire. Non, il y a une partie de réel dans ce qui ça veut dire quoi. C'est-à-dire que une partie des tchilotes de Kippour, on vient montrer dans la Kadosh Baruch Hu qu'on est d'une certaine manière pas zakai et qu'on n'est pas méritant de recevoir cette kapara là. Et pourtant, on demande à la Kadosh Baruch Hu quand ce jour-là il nous a donné. Là, je t'en fais la bêtise. Mais tu changes. Alors pour, oui, mais après je dis je suis pas zakai. Si je sais que je suis en train de faire tchouva, alors j'ai une part de zakai. Zatchouva. De quoi? J'en ai bodé, bachet. Zekhelek batchouva. Akara tachet. Akara tachet. Aziva tachet. De kapara tachet. Zatchouva. Parce qu'il y a des gens têtus qui ne sont pas capables de s'autocritiquer. C'est un marsom psychologie. Ils ne sont pas capables d'entendre la moindre critique. Ils sont toujours en miglana. Les gens comme ça, ils sont perdus. Michelodal Kabel Tochara. Tu pêches. Atochi Achlet, Benisnaika. Essaye même pas de lui faire une remontrance à l'aide. Il va te haïr. Ça n'a aucun effet bénéfique sur lui. Ochéachacha, mais il y avait qu'un. Celui qui est chacham, il veut de la shlemout. Donc si tu as trouvé une faille dans son comportement, et grâce à toi, maintenant, il va s'arranger, et bien il t'aime. Mais tout le monde n'est pas comme ça, parce que tout le monde ne réagit pas de manière intellectuelle. Il y a aussi des ragachotes. Et donc tu as Pagata Baego chez lui, alors Aninokem. Et après, Shounokem, qui se venge. Toi, tu lui rends la monnaie, comme on dit. C'est par l'Oleshem Shamaï. Et après, ça fait boule de neige. T'as vu? Top, continuons. Où on en était, Ken. Aval. Donc ça, on a compris comment ça marche, une fila pour soi-même. Maintenant, comment ça marche pour son prochain? On est à la ligne 41. Aval at fila al chavero. La prière pour son prochain. Ne'erechet kifi erecha yacha shel mitpalel el misha avuro mitpalelim. Elle est évaluée en fonction de la relation que tu as avec ton ami. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais expliquer à la fois précédente que lorsqu'un Kadosh Baruch Hu apporte des issourim à quelqu'un, disons, il a besoin de issourim pour s'améliorer.
Eh bien, tout comme le fait un médecin, il y a une panoplie entière de remèdes. Pourquoi a-t-il choisi le remède X et pas le remède Y? Ce n'est pas par hasard. Il demande, vous êtes sensible à la pénicilline, vous êtes sensible à ceci, et cela, il change de remède. Si Dieu a décidé que ton voisin, disons, il a une maladie très douloureuse, mais qui se sait savoir par tout le monde. Qui se fait savoir par tout le monde, par tout son entourage. Il aurait pu lui donner une maladie, on ne voit rien de l'extérieur. Et si c'est quelqu'un de introverti, comme on dit, Sagour Alatsmo, comment on dit Introverti. Il ne montre rien. Personne ne l'aurait su. Et Dieu aurait pu lui donner ce remède. Il ne lui a pas donné ce remède. Il lui a donné un remède où tu vois, je ne sais pas, ses cheveux ils tombent, il devient tout blême, etc. Donc tout le monde s'en rend compte. Ça t'interpelle. Ça veut dire que ce remède n'est pas seulement pour lui, il est aussi pour toi. Parce que lui, peut-être, avec un autre remède transparent, ça lui aurait suffi. Bon, évidemment, il ne va pas le faire souffrir davantage pour toi. Alors, la même intensité de douleur. Ça peut être des douleurs psychologiques. Il va au boulot, il a un sale employeur qui lui casse les pieds toute la journée. Mais il ne montre rien. Sa femme ne le sait pas, ses gosses, personne ne le sait. Il n'y a que lui qui souffle les martyrs. Des fois, c'est bien plus douloureux que des maux de ventre. D'accord ? Et Dieu n'a pas donné son remède. Il aurait pu le donner. Il a choisi de donner le remède, je ne sais pas où il est. On le voit, halal, on dit. Ce n'est pas par hasard, parce que c'est censé t'interpeller à toi qui est proche à lui. Toutes sortes de choses. D'accord ? Donc là, qui est le problème essentiel de cet aspect de la maladie ? C'est toi, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le centre du problème. Le problème tel qu'il apparaît dans cet aspect spécifique dont tu en es au courant et dont tu en es affecté, il est essentiellement dirigé vers toi. Ça veut dire l'intensité de ta relation avec lui. Et c'est-à-dire que cette maladie est venue pour renforcer ton lien avec lui. Ça veut dire ton empathie envers lui, ton amour envers lui, ta volonté de l'aider, qui était plus faible jusqu'à présent. Il y a quelqu'un dans lequel il devient très malade. Jusqu'à là, personne ne s'intéressait à lui. Depuis qu'il est malade, tout le monde s'intéresse. Comment ça va? Il vient l'aider, il vient le réconforter, etc. C'est l'école qui est là, Mahalazot. C'est l'oracle à l'eau. Le Chazek est Avat Israël. Mais même pour lui. Il y a deux choses dans la. Oh, c'est Barou. Non, c'est pas vrai. Je parle de ce phénomène. La question maintenant, moi dans mon yachad, donc je comprends qu'à partir du moment où je suis touché, justement, ça m'apparaît. D'accord, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Donc voilà que je comprends que c'est une épreuve qui me concerne, d'accord, et que je dois changer. On va dire maintenant que je fais ma part, je change, je prends bien conscience de l'événement, je comprends ce que dit l'événement là-dedans et je change justement mon yachad par rapport à cette personne. Maintenant, je vais pouvoir, entre guillemets, réparer à hauteur de mon interpellation. Mais d'accord, en ce qui concerne son interpellation. Oui, t'appelles Batsmo. Voilà, Bidio. Oui, t'appelles Batsmo, on mit pas l'el kolayor, mais arrière, tu vois, etc. Mais ça suffit pas. Gamata, pas si pour. Chenyomeradze, c'est la femme, les enfants, ton employeur. Voilà, Israël. Tout le monde. En fonction du lien, mais un mec qui a une super entreprise et son mancal, il est très malade. Bon, il a eu un sale coup, le mec. La Colcorès, putain. C'est l'homme micré. Alors regardez. Oui, mais c'est-à-dire, j'ai pas dans la perception de l'événement, celui qui est tombé malade, la personne qui est tombée malade, sa réfoua ne va pas dépendre de l'interprétation de son entourage. Parce que si le message il est pour tout le monde et que tout le monde ne s'est pas éveillé à ce message-là, Dieu, comme vous avez dit, il n'est pas censé continuer à me. Oloy est korban shel chaz debatoir. Oloy imtu avod al balim velo balim al avod. C'est baro. Avalata gam, c'est une des composantes de sa réfoua. Un des facteurs. Regardez dans les mots. C'est quoi le fidouche? Même le Révisraï midi, quand il voit un accident sur la route, c'est pas tout le monde qui va voir l'accident. Il y en a qui vont le voir. Il y a des milliers de gens qui vont passer sans le voir. Ça arrive trop tard ou trop tôt. D'accord. Donc la personne qui l'a vu, c'est qu'elle avait. Elle a été interpellée. Elle avait un message. Baro. Baro. C'est un premier douim, c'est pas un. Je suis pris douche. Ou Masbir Tagmara, le pise. La malo, c'est la skirichement. Qui attend, c'est pour. Regardez dans les mots. C'est quand même un ridicule. Ligne 41. Bien sûr, c'est un.
Regarde. Parce que tu aurais pas j'ai vu un truc. Aval, l'autre quoi la zone de gars. Mais qu'est-ce qu'il est venu m'apporter à la zone de Ou alors non, je dois juste percevoir les règles selon ma responsabilité, changez-moi pour avoir ma responsabilité. C'est de ta responsabilité, donc occupe-toi de toi. T'as pas besoin de la scarlet chumeau parce que là, c'est ton épreuve en fait. Ça veut dire renforce-toi, renforce-toi dans ton amour envers lui. C'est ça, essentiellement, en quoi ça t'interpelle. Il doit le dire dans les mots, regardez. Ligne 41. Aval atefila al chavero. Nerechet ikifi erech yachas el mitpalel el mi shavuro mitpalelim. En fonction de ça, elle évalue ta prière. La relation de celui qui prie envers de celui pour qui on prie. Ou beyoter, maintenant de manière beaucoup plus globale, plus générale. Kifi yachas akirva anisgava va mukhana befoal shel zera Israel zelazel. De manière générale, de renforcer l'amour d'Israël, des uns envers les autres. Alken, en shaykh la sir betfilat shmo. C'est-à-dire, ça n'a presque aucun sens de mentionner son nom. C'est pour ça que ça tombe bien. On y fait la Kavero, Nena Trila. Ou Chazam Betfila. C'est pour ça que ça commence en premier. Alken, en shaykh la sir betfilat shmo, shela nitzrach la rachamim. Pas besoin. C'est pas dire que c'est interdit, c'est pas péché, comme on dit en France. Mais ça sert presque à rien. Il n'est pas, c'est pas nécessaire de mentionner le nom de celui qui a besoin de miséricorde. Lama. Qui peut la zulato l'effectivité de la tfila pour ton prochain n'est pas évaluée en fonction de celui qui a besoin de rachamim qui mitzad aerech shanamit palel mais de la valeur de celui qui prie lui-même asher anitzrach le rachamim imsa mitiaches elav tu vois celui qui est malade qui a besoin de truc a un certain rapport avec lui le mec qui te connaît pas bon, ça n'a aucune influence mais Dieu il sait exactement dans l'entourage, qui va être interpellé par cet aspect spécifique de la machala. Les souris, la dafka de machala. Stam, je ne sais pas, son usine à brûler, ou... toutes sortes de choses. Mais moi, ça vient me horaire les rachamim, la tfila, la kolzé. Et l'essentiel, c'est de changer ton approche envers tout. Ce n'est pas de dire des mots, ce n'est pas la magie noire. C'est-à-dire, plus j'aurai plus d'empathie envers ce bonhomme et d'aide concrète envers ce bonhomme, plus ma tfila sera effective. Parce qu'on a dit à plusieurs reprises, la tfila n'œuvre que s'il y a un changement. Elle ne change pas la volonté de Dieu, elle me change à moi. Donc jusqu'à présent, le flux de réfoua qui devait passer à travers moi pour arriver chez lui ne passait pas. Parce que, elle n'y a pas été seule. Shamani, oe voto, rotse to vato, c'est ouvert. Azoui kaba, il kabel, manage le réfoua. Il va recevoir plus de portions de réfoua grâce à moi, par mon intermédiaire. Mais si l'exarenu. Ça nous donne une lourde responsabilité. Oui, mais si le shalom. De manière générale, il me dit qu'il y a un kol sheken al klal Israël, al klal haolam, shesh mashberim olamim. Et si bon, moi ça va, moi je ne suis pas contaminé, ça marche. Mais il y a 300 000 qui sont morts. Et il y a peut-être dans la prochaine vague, on parle de millions. C'est rassurant. Il n'y aura pas. Il y aura pas. Il y aura pas. Il y aura pas. En même temps que la. Il y aura pas. 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 Là, j'espère que les gens vont savoir rentrer dans le crâne que s'il n'y avait pas de détails, ils seraient tous morts. Là, j'ai entendu des gens qui vont venir au Dieu de France. Parce qu'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir en venir en Israël. Ils se sont rendus compte que là-bas, ils sont abandonnés comme des chiens. Et ici, alors, ils sont... Ils Kol Medina d'Israël. C'est pas ça seulement qu'ils vont comprendre. Mais ils ne sont pas venus depuis 10 ans, mais le fait de savoir qu'ils ne peuvent pas rentrer, ça les a... C'est que tout l'État d'Israël, toute l'armée d'Israël, tous les organismes de l'État d'Israël, se sont mobilisés lama pour la tzile taskenim. Ah oui, c'est impressionnant. Tu m'as vini mazé? Alors que là-bas, il est tué de force. Mazé kvod achaim, kvod askenim. Là-bas, ils les ont tués. Ils les ont liquidés. Excellent. C'est même Am Israël ici, qui paraît avoir un look laïque et pas religieux.
très profondément dans son entité sont ancrées les valeurs du judaïsme. Vod askinim. Namash kacha. On continue. Kipulat tefilah zulato ena mitzad ha'arech shel ha'nitzrach lerachamim ki mitzad ha'arech shel ha'mitpalel atzmo. Asher nitzrach lerachamim nimsa mitiachas elav. Ou mitzad ha'arech ha'musari shel ha'tefilah zulato. Le fait même de prier pour une tierce personne, c'est déjà de la moralité très haute. Et des gens qui ne pensent qu'à leur beden. De penser, d'avoir une pensée positive, d'être affecté de la souffrance d'un autre, c'est déjà une élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle te rend apte à ce que le flux de la réfoua passe à travers toi et arrive chez le malade. Shumetsura fait le toalta chez l'etzematfila. Tout cela se rajoute au but essentiel de la tfila, qui est de t'améliorer de manière morale. Jetieshlema bitnanea mashlim et dat Elohim emet vavodato. Évidemment, la tfila sera parfaite seulement selon dat Elohim. Dat Elohim, c'est-à-dire l'écoute de Bachem. Yadat et Hashem, c'est-à-dire karafta Hashem, j'écoute Bachem. D'écoute Bachem, ce qui veut dire ressembler à Dieu. Donc de s'emplir de miséricorde pour son prochain, en cela tu ressens plus à Dieu. Et si tu ressens plus à Dieu, t'as avec Bachem. Mais t'as avec Bachem, Sraï Hashem, Orim Dorkecha, Vemerapi. Amour Allah, Rabbi Hanina Ben Dosa, on termine parce que c'est sur le même sujet. Cher Amit Palel à la Choli, Vomer Zehai Vezemet. Très spécial. On venait chez Rabbi Hanina, tu peux prier pour ma grand-mère. Il commence à prier. Mal barré, elle est morte. C'est là, elle va guérir. D'où tu sais, Lévi? Amour l'homina et t'aider. D'où tu sais? Amar le M, Im Shgura Tzilati Befi, Yoder Ali Shomikuban. Si les mots s'enchaînent les uns les autres sans aucun problème, c'est-à-dire je ne trébuche pas dans mes phrases, je sais que la prière a été exaucée. Vive là, sinon, Yoder Ali Shomikuban. Elle a été refutée. Mena Animile, d'où il le sait? Amar Rishon Ben Levi, Amar Kra, Bore Nif Sivataim. Le passage dit, Dieu crée la parole des lèvres. C'est-à-dire, quand tu réussis à parler, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui t'a fait réussir à parler. Shem Sefatai Tiftah, ouvre-moi la bouche pour dire les mots adéquats. C'est quelque chose à quoi il faut penser chaque fois que tu vas dans une réunion importante qui est censée apporter du bien au peuple d'Israël. Mais tu ne sais pas qui tu as affaire, quels mots vont avoir de l'influence sur lui, etc. Tu dis à quel jour, regarde-moi, je ne sais pas trop quoi dire. Je te donne mes lèvres, fais-en ce que tu as envie. Fais-moi sortir les mots adéquats. Shalom, shalom, la rachok, la karov, amarachem, ouvratim, etc. Donc, regardez. Ça continue. C'est exactement ce qu'il va expliquer. Regarde. Ayacha sheban adam la chavero mitgale ou alidea dibour. La relation qui existe entre quelqu'un et son prochain apparaît par la parole. Tu vois bien, quelqu'un avec qui tu n'as pas tellement d'affect, d'atomes crochus, on n'a rien à se dire. Et quelqu'un avec qui tu es profondément lié, la discussion est fluide, même quand tu ne l'as pas vu pendant 10 ans, hop, tu le rencontres, tu commences à parler tout de suite. Donc la discussion est un symptôme du lien intime et amitié entre les gens. Pourquoi avec un signe d'après, il écrit Yachas? Yachas avec un samer. Parce qu'il y a un toi. Ou peut-être qu'il a un mikra. Samer fait signe de mitra lef. C'est-à-dire, Baim Sher, Ba Historia, Bachaï Bessin, Afar Liot Samer. Qui est mot Mazé Seder, qui vient du mot Orde. Notion de Zdera. Zdera, c'est une avenue droite. Zdera, c'est une signe. La chose de la Mishnah, c'est Yitralef de sa mère. Donc, Vit Kablout, Peulat et Tefila, Mechad al-Havero, Ivada et Mitzad d'ailleurs, Hasamidi Shebenem, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Pour que ta prière soit exaucée quand tu pries pour ton prochain, ça dépend de ta relation sincère et intime que tu as avec ton prochain. Donc, si quand tu pries pour lui, les mots s'enchaînent, ça prouve que tu as un très profond lien sincère avec lui, donc ta prière sera exaucée. Alken, Erit Kablout pour l'Ata, Gamken, Ibeolchot Adibour. Donc les cheminements de pour qu'elle soit exaucée, ça apparaît par la manière de parler. Shimin Patetbo. Ou Béchar et Ouya, les filles Yachas Animsa, Ben Mevakesh, le Michou Mevakesh Aburo, Midgale ou Bioter, Befoal, Benifas Watay. Donc lorsque tu pries pour ton prochain, cela apparaît dans ta manière de dire les mots. Si tout est fluide, tout s'enchaîne les uns les autres,
ça prouve que tu as un lien intense avec lui, donc tu as de l'amour envers lui, et donc tu peux être un tsinor pour faire arriver vers lui la refoua. Et mon père, si on a dit, mais Rabbi Haïna, il n'était pas chachoud, même quand il n'avait pas de lien avec lui. Pourquoi est-ce... Mais il n'y a plus ici à moi. Vers Kadosh Rubo Reni Visvatayim. Zéro Tachibou Yagidadé. שהשלום האמיתי הוא היחס והצטרפות של בני אדם לפעול ולהתפעל כל אחד מחברו בדרך הטובה. וזה שלום. זה פעם סלפו שלום. זה עניין אינטים. אין אינפלואנס דזן עובר לזאת. אין אנרישיסמן רסיפרוק. וניב השפתיים פועל שלום שלום לרחוק ולקרוב. עושה את היחס והקישור. זה הדובלו טרנשן. לפרול אל, אני אומר, לגילוי. Le dévoilement de l'intensité de ton lien, mais la parole crée aussi le lien. Quelqu'un que tu connais, c'est pas un oui, un certain froid, une certaine muérance entre vous deux. Tu commences à parler, au fur et à mesure, on s'approche. Donc la parole relie les gens. D'ailleurs, le dvir, le dibour. C'est pour ça qu'il faut tout de suite enchaîner la discussion. Qu'est-ce que tu te tais, ben, il se tait, une muraille de silence entre les deux, on n'ose plus parler, on n'ose plus se voir les uns devant les yeux. D'abord, shalom, shalom, pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hop, et tout d'un coup, on devient des copains. Ah, c'est pour ça qu'on dit le dvir, il s'appelle le dvir. Parce que dvir. C'est le Kodesh à Kodashim, parce qu'il y avait le dibour avec Hachem. C'est un grand nous rapproche à Kadosh Barofo. D'accord. Donc, Ose Atayachas Vakishur. Gam ben ben Adam, Rechokim, Zamizé. Voilà. Les gens qui sont loin, ils commencent à parler. Ils se rapprochent. Ben, les deuxièmes, Mitkabel et Yonken Tfilat Aechad al Havero. Donc ça a une influence d'intensification du lien et ça aussi ça examine l'intensification du lien. C'est-à-dire que moi je me suis efforcé, ça répond à ta question. Rabbi Hanina Ben Dosa, évidemment, qui voulait le bien de tout juif, etc., il s'est efforcé énormément de parler du bien pour lui et d'être plaider sa cause, etc. Finalement, ça ne sort pas les mots. Ça prouve qu'un Kadosh Baruch Hu est intervenu et qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il guérisse. Il y a Kadosh Baruch Hu Renif Svataï. Des fois, tu viens plaider la cause du peuple d'Israël, et ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Tu vois bien, pas toujours, ils ont réussi, Chachmé Israël, les Menoir Xeroth. Qui n'est Xeroth, Zermin Hachamay, avec les Koulorot, c'est. Les Siman. Les Siman, les Siman, les Hachamay. Chachmé, les Hachamay. Et en général, ils le savent. Et qu'on dit, un pied à dibou, ma chère mère. L'eau à l'arf. Ça allait, des fois, les gens qui allaient voir. À l'arf. Ils savaient que. L'eau ouverte. Tamat, c'est haut, l'eau ouverte. Non, c'est bien haut. C'est au-dessus. C'est ce qu'il dit là. Je vais dire comme ça. Acharé, kola, ekcher. Tu vois? Veille, cholette. Veille, ekcher. C'est Khadam, les Ezrat Hashem Itbarah, Al-Mar Mifta. Finalement, c'est que le Borou qui termine ta manière d'exprimer les choses. La dame Al-Khelem. Ou Hachem, Arne Hachem. C'est-à-dire, toi, tu te prépares, tu fais un super discours, et tu prépares ton cours, comment est-ce que tu vas dire, etc. Et finalement, tout ça dans l'air. Lui, il fait un talo, qu'on garde la colzorem. La Kadjboku, c'est ça. Boren, Ifsvatayim, c'est Dieu à Kadjboku qui crée la parole des lèvres. Donc, on arrête là. C'est un